Matériel nécessaire pour réaliser le branchement du contacteur jour et nuit. Schéma de principe contacteur jour et nuit. Schéma de branchement. Donc on commence par le câblage de l'alimentation du chauffe-eau en 2,5 mm. On raccorde la face du disjoncteur 20 ampères sur la borne 3 du contacteur. Ensuite, on raccorde la borne 4 du contacteur directement au chauffe-eau sur la borne L. Toujours pour l'alimentation du chauffe-eau, on raccorde la neutre du disjoncteur 20 ampères à la borne 1 du contacteur jour et nuit. Ensuite, on raccorde la borne 2 du contacteur au ballon d'eau chaude sur la borne N. Et maintenant, on passe à l'alimentation du contacteur, section du fil 1,5 mm, donc on raccorde C1 du compteur sur la borne 1 du contacteur. Ensuite, on raccorde le C2 du compteur sur la borne A2 du contacteur. Voici le schéma final avec le fil de terre. Merci d'avoir regardé la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, et donner votre avis sur les vidéos. S'il y a une erreur dans les schémas, dites-le dans les commentaires.